Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer 13 situations stressantes. Dites-moi en commentaire d'autres situations stressantes que vous avez pu connaître. Donc première situation stressante, c'est quand tu cherches ton téléphone en fait dans tes poches et tu vois il est pas là, tu cherches, tu paniques, c'est vraiment trop stressant. Deuxième situation, quand un prof dit bon alors je vais interroger là, je vais regarder la liste. Et là, toi, t'es là, tu stresses, tu dis pitié que ce soit pas moi, pitié que ce soit pas moi. Et c'est vraiment une situation stressante. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est stressant. Troisième situation stressante, quand on se trompe de destinataire. Vous savez, quand t'envoies un message, sauf que tu te trompes de personne, ça c'est grave stressant. Tu te dis. Mince. Quatrième situation stressante, quand le réveil n'a pas sonné, qu'il te reste peut-être 10 minutes à aller devant toi. Et encore, il y en a pour 10 minutes, ça va, mais moi 10 minutes, ça va pas. Quand ton téléphone tombe, tu regardes, tu te dis, pitié qu'ils soient pas cassés. Mais non, c'est vraiment stressant cette situation. Sixième situation, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi des fois, genre quand je dors, dans mon rêve, je tombe dans le vide. Et du coup, ça me fait stresser. Et après, je me redors, mais genre, franchement, je sais que je suis pas la seule à qui ça arrive et tout, mais c'est grave stressant. Genre, t'es en train de dormir, d'un seul coup, t'as l'impression que tu tombes dans le vide. Voilà, mais ça me fait stresser, ça. Septième situation, quand t'as 1% de batterie. Et ça, c'est vraiment chaud. Pourtant, le dernier pourcent, il dure longtemps, mais ça fait quand même flipper. Prochaine situation, quand tu vas chez le dentiste. Moi, ça me fait stresser quand j'entends l'appareil là qui ponce, là. Cet appareil, je supporte pas le bruit. Du coup, genre, quand je vais chez le dentiste, je mets des écouteurs tout doux parce que je supporte pas du tout ce bruit, c'est trop stressant. Prochaine situation, quand t'es par exemple dans un parking et que tu perds, tu sais plus où aller la voiture de tes parents ou ta voiture si tu conduis. Quand tu perds tes parents dans le magasin, des fois, enfin souvent maintenant quand j'ai mon téléphone ça va, mais quand j'ai plus de batterie quoi, je suis grave stressée. Je fais tous les rayons comme ça, au bout d'une heure ou deux heures que je la vois pas, je fais tous les rayons. De toute façon, vous l'avez tous déjà fait ça. Tu fais les rayons comme ça, tu regardes droite, gauche, non, elle est pas là, tu continues droite, gauche, le prochain. Voilà. Prochaine situation, quand t'es bloqué dans l'ascenseur. Mais alors, ça, c'est tellement stressant et tout. Enfin, déjà, moi, j'ai la phobie des ascenseurs un peu. Pas vraiment. Enfin, c'est pas vraiment la phobie des ascenseurs, mais je suis comme un peu claustrophobe. J'aime pas me sentir enfermée. Et si je suis bloquée dans un ascenseur, mais là, c'est tellement stressant, mais franchement, non, je peux pas, je l'imagine même pas. Prochaine situation stressante et avant-dernière, quand tu reçois ton bulletin, et là tu fais. Bon. Et dernière situation stressante, quand il va y avoir un examen ou quoi, ou quand tu passes l'examen. Moi, cette année, j'ai le bac, gestion français, oraux et écrits, et c'est trop stressant. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes reconnu dans au moins un de ces faits, n'hésitez pas à lâcher un like. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.